Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Union Sport. Ce que nous allons voir ici, c'est de la nac au plus haut point. Que s'est-il passé? Nous allons vous montrer ça. Beaucoup de personnes seront surprises, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo au maximum pour que les gens ne tombent plus jamais dans de tels pièges. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et toutes les personnes qui veulent nous soutenir sur PayPal, dans la description se trouve notre lien. Vous faites le temps. Vraiment, la vie sur la terre. Ne vous livrez jamais à la facilité, les frères et sœurs. Et n'aimez jamais la facilité, les choses rapides, les choses du genre chap-chap. Et vous allez comprendre pourquoi j'essaie de vous dire ça. Regardez maintenant à l'écran, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ah! Que se passe-t-il ici? Je vais tout vous montrer. Un homme a acheté un téléphone, il pensait que c'était un vrai. Alors qu'il y avait des trucs bizarres à l'intérieur, vraiment, vous serez surpris parce que nous allons entendre ici. C'est un témoignage vraiment trop étrange. Et regardez, quand vous regardez là, juste là, qu'est-ce que vous voyez? Apparemment, c'est un téléphone. Vous dites que oh, c'est un portable et il n'y a pas de problème. Mais écoutez ce que cette personne va dire et ce qu'on va trouver à l'intérieur. Vraiment, Abidjan est beaucoup réussi maintenant. Regardez ce portable devant. Vous voyez parfaitement que c'est un portable, mais réellement, c'est pas un portable. Ouh, il dit que vous voyez, qu'on peut le voir. Vous avez l'impression que c'est un portable, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais rien ne prouve que ce n'est pas un portable. Tout a été fait sur mesure. Regardez ça. Qu'ils ont vendu à un Yakuba. Donc, comme j'ai l'habitude de les appeler les Yakuba ou Yaouya, vérifiez ce portable en même temps avec moi. Et regarde, quand j'ai bien écrit, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pas pour les Yakuba. Là, il va maintenant ouvrir le portable et vous allez voir ce qui se trouve derrière, là, juste où il y a la batterie. C'est pour tout le monde. Regardez bien, un miroir qui a été coupé par les employés. Vérifiez. Il y a un miroir de... Les gens lui ont vendu un portable où il y a un miroir derrière dans l'écran là. C'est un miroir qu'ils ont découpé, ils ont taillé sur mesure avec que ça puisse former un portable. Et le gars a vu ça, il n'avait pas idée. C'est ce qui se trame derrière. Ah! Moi-même, ça m'est arrivé un jour. Mais je vais vous expliquer ça à la fin. Regardez ça. Un caoutchouc noir, plus Et un caoutchouc carton. noir, plus un Vraiment, c'est comme carton. appeler un carton, vous même, vous voyez. Et le carton était comme un support, suivi un caoutchouc noir encore, qui était mis tout juste à ce niveau, le monstre, qui était mis à ce niveau pour dire que, ouais, que c'était pour l'empreinte. Voilà comment ils ont placé. Jesus Christ! Quand moi, ça m'est arrivé, c'était il y a, on va dire, il y a plus de 11 ans. Mais je ne savais pas que ces choses continuaient jusqu'à aujourd'hui. Et les gens n'ont pas changé. Les gens n'ont pas changé. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer d'abord ces choses, pour vous amener à voir ce que vous ne pouvez pas voir. Si ça ne vous est jamais arrivé là, dites vraiment Dieu merci. Mais nous, à qui c'est déjà arrivé? Nous savons ce que c'est. Ça fait vraiment très mal. Mais les stratégies sont pareilles, identiques. Je vais vous révéler toutes ces stratégies-là afin que vous ne tombiez pas dans ce tel piège. Mais attendez à la fin. Allons voir ce qui va se passer d'abord. Suivez, vérifiez et suivez en même temps. Vous-même, vous voyez, Abidjan est vraiment réussi. Ne prenons pas de risques avant de payer quelque chose. Allez-y directement dans les magasins. Sinon, vous allez jeter de l'argent à la porte. Vous-même, vous voyez comment la personne a grillé ce matin. Et il vient de prendre un Yakuba facilement. Et il a vendu ça à une somme de 30 000 francs. 30 000, 400 francs, 30 000 francs. Et le voleur exige qu'il n'a pas de transport. En plus de cela, qu'il ajoute encore une somme de 400 francs
qu'il a ajouté encore une somme de 400 francs pour faire son transport. En plus de ça, il va lui en plus de 30 000 francs pour le portable qu'il lui a pris, pour le faux portable qu'il lui a pris, il va encore lui prendre 400 francs pour son transport. Ça dit, viens, non seulement vous arnaque, et puis il vous demande de lui payer son transport. Jesus. Hey. Le juge de jugement là. Non, ça a chauffé. Ça a chauffé. Vas-y, regardez. Il a payé, il vient avec ça pour mettre la fiche, on vérifie encore, il faut tourner, voici le portable quand il a fini de remonter. Dans cette présentation, n'achetez pas les choses dans la rue. Si ce n'est pas Yacouba, bien sûr, il faut qu'il vous fasse cela. On ne peut pas avoir quelqu'un facilement. Donc, je vous préviens, faites très attention. Donc, c'était pour vous avertir. Vous voyez exactement que ça ressemble à un portable. Mais, il faut être un Yacouba pour qu'on dévoile bien ce qu'il faut. Donc, raison pour laquelle je vous montre, soyez prudents. Si on vient de voler les cartes tout après-midi, à une somme de 30 400 francs. Merci. Bien, il a bien fait de nous montrer la vidéo. De vous montrer ce qui s'est passé. C'est bien, il a bien fait. Mes frères et sœurs, Jesus. Il s'est fait arnaquer. C'est 30 000 francs. Vous n'imaginez pas comment il a travaillé dur pour avoir ça. Avec 30 000 francs, on peut faire beaucoup de choses. On peut acheter même beaucoup de choses qui vont nous donner de la joie. Comment ça se passe? Je vous explique. Comment ça se passe avec le moment? Je vais vous expliquer. Il y a plus de 11 ans, j'ai marché avec un ami. Aux environs de 18-19 heures, c'est-à-dire là où la nuit va tomber, c'est là on voit mon ami voit un gars qui s'approche de lui, qui lui dit qu'il aimerait faire un troc avec lui. En fait, il veut que mon ami lui donne sa montre puis son portable. Et lui, il va lui donner un nouveau portable, un portable hors du commun. Quand vous voyez le portable, la montre et le portable que mon ami avait ne font pas le prix de ce portable. En plus de ça, mon ami a mis un peu de sous là-dessus parce qu'il voulait vraiment avoir le portable. Maintenant, maintenant pour pouvoir donner le portable, le gars dit à mon ami, il faut appeler ton ami qui est là-bas. Afin que lui puisse faire la transaction. Les deux ont causé là-bas tranquillement et c'est moi qui l'appelle afin qu'on puisse faire la transaction. Et moi j'arrive et le gars il me dit, écoute, je vais te donner le portable, mais comme c'est la nuit, je ne veux pas que les gens soient au courant de ce que nous sommes en train de faire. En ce moment, moi je ne savais pas. Je pensais que tout le monde était sain dans le pays là. Alors que ce n'est plus le cas. Il dit non, c'est la nuit, on n'a qu'à faire vite, 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 vite. Tu vois, il a mis le portable dans ma poche. Maintenant, moi, mon ami aussi était quelque part là-bas. Il dit à mon ami, va te cacher, il ne faut pas, tu vas voir ce que nous sommes de faire ici. Il dit, nous prenons pour des enfants même. Il a joué avec notre tête même, comme c'est pas possible. Aujourd'hui, quand il m'a sauvé, il faisait des dépenses à ça, il me dit, si ce n'est pas l'envoûtement qui peut faire ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Souvent, ces gens-là, ils ont des pouvoirs mystiques. Ou bien, ils ont des stratégies vraiment tellement sophistiquées que si vous n'êtes vraiment pas vigilant, il faut être vraiment très vigilant pour les détecter. Mais, vous pourrez juste voir ces signes. Ces signes comme quoi, je vous explique. Premier élément, le prix. Vous verrez voir que le prix est vraiment acceptable. Vous vous faites croire que c'est vous qui allez gagner. Mais en fait, au lieu de vous donner le vrai portable, ils vont vous donner un autre portable, c'est-à-dire une contrefaçon. Quand vous venez pour acheter, ils vous présentent l'original. Mais ce qu'ils vont vous vendre là, c'est ce que nous venons de vous montrer, du carton avec toutes ces genres de choses. C'est pourquoi il faut aller à la maison mère pour acheter soi-même. Vous voyez, c'est comme en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la PS5 qui est sortie. Il faut voir les gens, ils sont chauds sur la PS5.
Comme les gens sont chauds sur la piscine, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ces arnaqueurs-là vont tout simplement faire des trucs qui vont vraiment vous étonner. Comme quoi, vous commandez votre PS5, au lieu de vous envoyer votre PS5, ils vous envoient le carton avec du maïs à l'intérieur. À la place de la console, c'est le maïs. Vous faites du riz. Récemment. Alors que vous avez payé cher pour pouvoir voir les trucs. Et vous envoie du maïs ou bien du riz comme si vous étiez un poulet ou un coq. Ils sont méchants. C'est de l'arnaque. Oh, c'est de l'arnaque. Ça paraît simple. Et de la manière les gens font, ils font ça d'une manière. Ils vous disent, ils vont vous mettre la pression. Si vous voulez acheter un truc et puis la personne qui est là en train de parler, là, elle vous met la pression. Ah, écoute, achète, achète, vite, achetez pas. Si elle vous dit, écoute, faut pas que les gens vont nous voir, vous voyez ce que nous sommes en train de faire, n'achetez pas. Parce que quand on se reproche rien, on n'a pas peur et on n'a rien à cacher. Si des gens font ça, dites-vous en même temps que ce sont de mauvaises personnes. Et rassurez-vous que ce qui se trouve là dans votre main, c'est l'original qui vous a présenté. Parce qu'il peut vous présenter l'original et vous vendre n'importe quoi. Pour éviter les histoires, mais moi, tout ce que je peux vous dire. Allez vous-même en magasin officiel. Allez dans les magasins officiels ou les maisons mères. Vous-même, vous allez là-bas et vous achetez votre truc tranquillement. C'est vrai, ça sera cher, mais vous serez sûr de ce que vous avez acheté. Regardez par exemple ça. Ça, c'est une manette, non? Cette manette-là, c'est une manette que vous voulez acheter à partir d'un ami, en fait d'une personne qui se trouvait sur un réseau de vente des trucs. Ah! Le gars m'a fait tourner jusqu'à ce qu'il me demande de venir, de me déplacer, d'aller dans une autre commune. Une commune même où là-bas, les gens font même des bêtises, ils le volent n'importe comment. Et moi, j'ai déjà été victime de vol là-bas. Et il me dit de venir là-bas. Juste comme ça. Comme j'ai déjà dépassé tous ces niveaux, je dis ok, pas de souci. Je suis tranquillement allé en magasin et j'ai acheté la manette. Ou à la Fnac, acheter la manette dans un carton. Ça coûtait combien? Ça coûtait 2 fois plus cher que ce qu'on me proposait sur Internet. Mais je l'ai acheté. Et quand je revenais à la maison, j'étais sûr de ce que j'avais acheté. Parce que je sais où je l'ai acheté. Le lieu. Même si c'est cher. Où est-ce que ça c'est cher? Hein? Ça là. C'est une manette, non? Ça c'est pour le. C'est pour. C'est un équipement de travail, c'est pour travailler dans notre entreprise informatique. Un studio 4D. Vous voyez, c'est mal cher. Vous voyez ça comme ça. Je suis allé jusqu'à là-bas pour acheter ça. Ça m'a fait un peu mal parce que c'était cher. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Je n'ai pas pleuré. Et, mais j'étais quand même sûr que ce que j'ai acheté, c'était ça. Je suis venu avec. Au pied des cas, je peux retourner là-bas. Mais les gens qui sont dans la rue, qui sont dans la rue, en train de vous dire, écoutez, venez, venez, on vous vend ça, on vous vend ceci. Vraiment. Vraiment. Certains vendent de bonnes choses, hein. Mais, y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des mauvaises choses comme arnaquer les gens. Comment le gars vient prendre ses 30 000 francs? Il s'est dit qu'il va acheter un portable de dernière génération à un bon prix. Alors que c'est du bois qu'il va acheter. Ou bien du miroir. Mon ami, est-ce qu'il t'a dit qu'il avait envie de s'émirer? Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait envie de s'émirer? Moi, si j'ai envie de me mirer là, vous voyez la caméra qui est là, j'ai me mirer. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Mais c'était du mauvais truc.
Et le gars qui l'a naqué là, comment il se sent? Est-ce qu'il a des remords? Ils n'ont pas de remords, hein? Non, c'est pas possible. C'est quand le moment d'avoir des remords va venir. C'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à payer ce qu'ils ont fait. À naquer les gens. Tous ces genres de choses. Ce sont des choses qui ne sont pas gratuites. Pour avoir de l'argent, est-ce que c'est facile? Nous travaillons vraiment dur. Même là, je vous parle. J'ai travaillé dur. Je viens de très loin. Je suis fatigué, mais je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous montrer ça. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut limiter les dégâts. Moi, je vous aime. Et je veux vraiment que vous réussissiez. Et pour pouvoir bien réussir, il faut tout faire pour faire moins d'erreurs. Il faut être vigilant. C'est même ce qui prouve que sur la terre ici où nous sommes là, tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bon. Il y a des gens mal intentionnés. Il y a des gens qui travaillent dur d'une mauvaise façon. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ça là, ce qu'ils viennent de faire comme arnaquer le monsieur, ça, c'est un job. Mais ils travaillent dans le mauvais sentier. Qu'est-ce que le monsieur va maintenant faire? Qu'est-ce que nous avons fait? En tout cas, moi, quand ça m'est arrivé avec mon ami, Dieu merci, mon ami, il s'est vrai, il s'est énervé, il était dans tous ses états, mais il m'a pas dit de mots grossiers, il m'a pas insulté, lui-même il a vu tout ce qui s'est passé, vraiment. Au lieu qu'on nous fasse le vrai portable, on nous a vendu un portable, c'est-à-dire un habillage avec du sable à l'intérieur, de la boue. Jesus. Tu appuies sur la touche, la touche s'enfonce. Tu remues, c'est le sable qui tombe dans ta bouche. C'est comme ça, lui. Et les gars, il était parti depuis. Il avait pris de l'avance sur nous parce qu'il nous disait écoutez, retournez-vous, ne me regardez pas partir. Il disait tout pareil, mais comme nous, on ne savait pas qu'il y avait des gens de très mauvaises intentions comme ça. Bon, ou bien peut-être qu'on n'était pas bien préparé. Tout est possible. Pourquoi les attraper si tu n'as pas le Saint-Esprit? Ça sera dur, hein? Mais tout ce que je vais te dire, va toi-même sur place dans un magasin officiel. Achète ce que tu vas acheter, même si c'est cher. Tu sais au moins ce que tu as acheté. Pour que les gens ne puissent pas t'arnaquer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Non à l'arnaque. Respectons-nous vivants. C'est ce que je vais te dire. Que Dieu pitié de nous, mes frères et sœurs. Soyons vigilants.